La plupart d'entre vous se souviennent probablement du Petit Poucet. Ce conte de Charles Perrault relate l'histoire d'un bûcheron et de son épouse qui, faute de pouvoir nourrir leurs 7 enfants, décident de les abandonner dans la forêt. Rappelez-vous, lors de la première tentative du papa, le Petit Poucet laisse tomber des petits cailloux derrière lui afin de retrouver le chemin de la maison avec ses frères. Mais le lendemain, faute de cailloux, il utilise des morceaux de pain qui se font dévorer au passage par les oiseaux. Résultat des courses, les enfants se perdent dans la forêt sans réussir à retrouver leur marque. Quel parallèle pouvons-nous tirer de cette histoire pour votre projet de cours? Eh bien, à l'image des petits bouts de pain, si les acquis d'apprentissage de votre cours ne sont pas suffisamment clairs, précis et cohérents dès le départ, il y a de fortes chances que vous perdiez vos étudiants et que vous vous perdiez vous-même en cours de route. Au contraire, des acquis d'apprentissage mesurables, observables et évaluables participeront à renforcer la compréhension de votre cours dès le départ par vos étudiants. En plus, ils vous permettront de sélectionner les ressources pédagogiques, les activités d'apprentissage et les modalités d'évaluation les mieux adaptées à votre situation. Mais qu'est-ce qu'un acquis d'apprentissage ? Selon le décret paysage, un acquis d'apprentissage visé par un cours est une affirmation qui décrit de manière précise ce que les apprenants doivent être en mesure de faire et de démontrer à l'issue de celui-ci. Plus spécifiquement, un acquis d'apprentissage se caractérise par 4 éléments. Il est centré sur l'apprenant, c'est-à-dire sur l'étudiant et pas sur l'enseignant ni sur le cours. Il décrit ce que l'apprenant doit être capable de faire à l'issue du dispositif. Il décrit ce qui est certifié à l'issue du dispositif. Il dénote une action et pas un état. C'est en faisant quelque chose que l'étudiant pourra démontrer dans quelle mesure il maîtrise un acquis d'apprentissage. Formuler des acquis d'apprentissage cohérents a donc un double bénéfice. Un bénéfice pour l'étudiant, savoir ce qui est attendu de lui, donner du sens à ses apprentissages, définir son parcours de formation et lui permettre de s'auto-évaluer. Un bénéfice pour l'enseignant et l'équipe pédagogique, communiquer clairement les attentes et rendre explicite la relation entre enseignant et apprenant. Concrètement, comment fait-on pour formuler un acquis d'apprentissage clair, précis et cohérent? Benjamin Bloom, psychologue américain, s'est posé la même question avec ses collègues de l'Université de Chicago en 1956. Dans sa célèbre taxonomie des objectifs, révisée en 2001, il décrit 6 niveaux d'apprentissage, chacun définissant un niveau de maîtrise attendu par l'étudiant et pouvant être exprimé à travers un verbe d'action. Ces 6 niveaux et les verbes d'action qui y sont liés vont vous permettre de définir les acquis d'apprentissage visés par votre cours. Reconnaître, l'étudiant sait de quoi il parle. Quelques verbes d'action appartenant à ce niveau sont, par exemple, décrire, définir, distinguer, identifier, formuler. Comprendre, l'étudiant sait parler de la matière. Par exemple, il sait classer, démontrer, expliquer, illustrer, reformuler. Appliquer, l'étudiant sait faire. Il est capable d'adapter, appliquer, employer, exécuter, organiser. Analyser, l'étudiant sait choisir. Il arrive à comparer, différencier, intégrer, structurer, tirer une conclusion. Évaluer. L'étudiant sait apprécier. Il est à même de choisir, critiquer, estimer, juger, tester. Créer. Enfin, l'étudiant sait ici concevoir. Il est capable de composer, générer, imaginer, planifier, produire. Pour formuler vos acquis d'apprentissage, commencez par l'énoncer au terme du cours « l'étudiant sera capable de » et puis complétez l'énoncé en choisissant le verbe d'action appartenant au niveau de la taxonomie de Bloom souhaité. Pour plus de ressources à ce sujet, téléchargez votre copie du carnet de l'enseignant en vous rendant à l'adresse uclouvain.be/LLL. Cette vidéo est une ressource éducative libre proposée en licence Creative Commons. Vous êtes libre de la partager, à condition d'attribuer et citer votre source, de ne pas l'utiliser à des fins commerciales et de la partager dans les mêmes conditions.